Présents physiquement, mais ils vont être là, je peux vous l'assurer, parce que nous avons eu énormément de demandes. Merci. Cette conférence s'inscrit dans le programme de ce sommet de la francophonie sur la créativité, sur le contenu créatif, sur le contenu numérique, et on s'est posé la question avec le TIC DCE, avec tous les partenaires, que ce soit l'Institut français, que ce soit l'OIF, que ce soit NetInfo, que ce soit Wallonie-Bruxelles, le groupement du patronat français, que pouvons-nous proposer pour pouvoir mettre en avant la francophonie numérique? Et on s'est dit qu'il y a un terme aujourd'hui qui pose autant de questions et qui apporte autant de questions que de problèmes. On s'est dit, pourquoi ne pas parler du métaverse ou des métaverses, puisqu'on verra un peu dans notre conférence les différentes définitions, les différentes approches. Et on s'est posé la question, le métaverse se nourrit
de deux choses, de technologie et de contenu. Or, cette Afrique que nous connaissons, cette Afrique qui va représenter le monde francophone dans les années à venir, on pense qu'en 2050, 800 millions de locuteurs francophones, sur les 800 millions de locuteurs francophones, 700 millions viendront de l'Afrique. Donc, comment penser la francophonie du futur sans penser au contenu numérique, sans penser à ce narratif numérique que l'on souhaite en place, puisque la jeunesse africaine qui va porter ce narratif a besoin de se nourrir d'un storytelling africain. Or, aujourd'hui, le storytelling qui est proposé est surtout anglo-saxon. Alors, comment renverser cela ? Comment la francophonie, à travers les industries culturelles et créatives numériques, que sont la 3D, le jeu vidéo, l'animation, la réalité virtuelle, peut changer cela ? Et c'est toutes les questions que nous allons essayer d'aborder avec nos partenaires. Et je tenais vraiment à remercier tous nos intervenants internationaux, parce que nos amis qui arrivent du Canada, de Belgique, de Suisse, de France, tous ces amis ont répondu présents, parce que pour eux, la francophonie numérique est quelque chose qui est très important. Et je suis très heureux, au nom de vous tous, amis de amis tunisiens, tout le monde, de les accueillir à Djerba et de les remercier d'être venus pour pouvoir partager avec nous cette réflexion sur le métaverse. Et vous allez découvrir que beaucoup de choses, que la Tunisie, ce petit pays dont on parle tant, est un pays grand par ses idées, par ses projets. Et ce pays qui est la Tunisie et Djerba qui vous accueille va vous épater grâce à cette jeunesse tunisienne qui est portée par le TIC DCE, que je tiens à saluer avec Madame Salois. Vous avez déjà un aperçu de ce qu'ils font au niveau créatif, mais vous allez être encore subjugués par les projets qui vont être présentés et qui vont être menés. Et sans plus tarder, je voudrais donner la parole au ministre de l'économie et de la planification tunisienne, Saïd, qui est là, et qui va vous exprimer la vision de la Tunisie. On a la chance d'avoir un ministre qui planifie et qui stratégie. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Et merci, je vous laisse beaucoup présenter un peu la stratégie tunisienne. Bonjour. Bon, je n'ai pas la stratégie tunisienne en domaine de métaverse. C'est trop complexe pour ma génération. Je suis un baby boomer. Et la dernière fois, quand je me suis aventuré pour discuter avec les jeunes, ils m'ont posé une question. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez ouvrir une ambassade au métaverse? C'est là. J'ai mis 30 secondes pour comprendre si c'était une blague ou bien si c'était sérieux. Et donc, après 30 secondes de réflexion, je lui ai dit, commençons par le business et l'ambassade suivra. Donc, je suis content d'être là pour voir. D'abord, bienvenue à nos invités, vraiment. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous à Djerba, l'île de rêve. Je suis également très heureux de retrouver mes amis, parce que j'en trouve pas mal dans la salle, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la conférence internationale de la métaverse et industrie créative à l'heure de la francophonie numérique. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser à toute l'équipe organisatrice mes remerciements pour la pertinence du sujet de la conférence. Celle-ci vient 3 jours après l'achèvement des assises de l'innovation. Ça s'est passé à Dar es Salaam sous le haut patronage de M. le Président de la République et le sponsoring de Mme la chef de gouvernement. C'est pour dire que ça se passe au plus haut niveau de l'État et avec l'engagement de tout le gouvernement. La conférence nous donne l'opportunité également de prolonger ce plaisir de travailler ensemble, parce que ça a été un plaisir, et de pérenniser cette démarche participative et inclusive. Je félicite ma collègue, la ministre de la Culture, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, pour son agilité et l'agilité de son équipe, que je remercie également non seulement pour leur engagement et leur niveau de veille technologique,
mais aussi pour nous avoir donné enfin la chance de promouvoir et célébrer l'énorme potentiel du réservoir culturel et archéologique du pays. La Tunisie est en effet une synthèse de différentes cultures, berbères, amazighes, puniques, romaines, juifs, et nous sommes à Djerba, chrétiennes, arabes, musulmanes, turques et françaises. La Tunisie a intégré à des degrés divers l'influence des dynamiques successives qui ont façonné le pays, formant un gisement culturel énorme qui pourrait servir l'écosystème de plus en plus riche et varié et fascinant du métavers. Je suis particulièrement satisfait du fruit de l'intelligence collective autour du sujet du métavers et rassuré que cette jeunesse continuera le processus avec beaucoup d'enthousiasme, de pragmatisme pour valoriser le patrimoine national de notre pays. Des opportunités économiques de taille sont ouvertes pour les jeunes dans l'espace francophone. Je vous invite donc à étendre cette démarche et ouvrir cette belle aventure à tout l'espace francophone afin de maximiser le partenariat dans le développement des contenus numériques et assurer leur promotion aussi bien dans le monde virtuel que dans le monde réel. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le monde fait face aujourd'hui à des mutations profondes. C'est un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est un monde qui bouge dans tous les sens pour challenger à chaque fois l'humanité et inciter à fournir plus d'efforts pour se repositionner dans l'innovation et de la réinvention. Force de constater qu'au moment même où l'économie réelle est globalement en crise, l'économie virtuelle et le métavers sont en forte croissance. La Tunisie s'inscrit aujourd'hui dans cette logique d'innovation avec le concours de toutes les forces actives du pays, secteur public, secteur privé, organismes professionnels, société civile. Pour ne citer que ce même exemple des assises, ces premières assises de l'innovation ont produit 125 projets sectoriels innovants, 100 mesures sectorielles et 25 mesures transverses pour le climat de l'innovation. Ces résultats sont tous disponibles sur le site du Premier ministère, du président du gouvernement et du ministère de l'économie. L'initiative Tunivers présentée lors de ces assises est en termes simples une destination, un espace pour les personnes qui rêvent grand et veulent participer à la construction d'un nouveau modèle de vie, de travail et de prospérité durable. Il s'agit aussi d'un espace de promotion du métavers, car en fait, il y a deux façons pour agir. L'innovation incrémentale, qui consiste à améliorer un élément existant par petites touches en remplaçant et en ajoutant de nouvelles briques, comme par exemple la démarche adoptée pour l'artisanat augmenté par la connaissance et le numérique. Et l'autre modèle, c'est l'innovation de rupture, qui vise, elle, à répondre à un nouveau besoin pour compléter l'existant ou le remplacer. Tunivers évolue, conçu aujourd'hui par ses auteurs, dont certains sont ici présents avec nous, dans le modèle de l'innovation de rupture. Ils vous exposeront aujourd'hui leur belle expérience. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, je suis convaincu que les résultats de vos travaux seront à la hauteur du thème choisi et à la hauteur de la qualité des participants que vous êtes. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans l'éclosion de vos talents. Je vous remercie. Nous sommes heureux de vous accueillir à la conférence sur Métaverse et industrie créative à l'heure de la francophonie numérique. Et nous vous invitons, durant ces quelques heures, à effectuer un voyage de découverte vers un futur possible, dans un monde sans limites, si ce n'est celui de l'imaginaire, le Métaverse. Nous souhaitons susciter le débat sur un sujet majeur, doit-on penser ou non à défendre, créer un Métaverse francophone, pour préserver nos cultures et nos économies ? Si ce métaverse est une projection de la réalité, ne pensez-vous pas que nul n'a le droit d'effacer nos cultures, car une communauté sans culture est un peuple sans être humain, et doit-on penser que les cultures anglophones ou asiatiques seraient ces terres virtuelles fertiles pour le métaverse ? La langue est un lien remarquable de parenté, qui dépasse en force le lien de l'idéologie. La langue française,
constitue l'appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part entière. Alors allons écouter nos intervenants pour comprendre comment le métaverse peut refléter le monde réel sans référence à la culture francophone. Quand je vous disais, voilà, quand je vous disais que la jeunesse tunisienne était créative, vous en avez un exemple. Et je les remercie énormément, certains sont dans la salle, merci à eux. Et tout de suite, j'ouvre cette conférence en donnant la parole à Salwa pour la première table ronde. Merci beaucoup. Très heureuse et très ravie d'être parmi vous et vous accueillir et de vous accueillir ici à Djerba pour parler de ce monde de métaverse, pour parler de ce monde virtuel, le monde de demain. Où sommes-nous? Où va-t-on-nous? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce monde de demain? Avec les meilleurs experts du monde qui sont ici à Djerba, qui sont réunis sur la terre de Djerba. Avec monsieur le ministre de l'économie et de la planification qui est très engagé dans cette histoire de ce nouveau monde qui va nous introduire sur le plan gouvernemental dans ce nouveau monde. Merci beaucoup d'être ici. Donc, on commence notre panel avec nos cinq chers experts panélistes. Monsieur Alexandre Michelin, Madame Kathleen Jobin, Monsieur Pierre Papran, Madame Laila Morsch et Monsieur Ayman Mtimat. Ils vont se présenter. Alors, Monsieur Alexandre Michelin, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du métaverse et vous présenter d'abord et à travers KIF France, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du métaverse? Alors, je pense qu'il faut être très très honnête, il y a beaucoup de définitions du métaverse, d'ailleurs il y a beaucoup de métaverses. C'est d'ailleurs cette richesse dont le ministre a parlé qui fait que c'est intéressant pour tout le monde. Aujourd'hui, si on regarde ce qui existe, qui ressemble à des métaverses, on peut dire qu'il y a 300 millions de gens qui jouent dans des espaces persistants et qui participent à beaucoup d'expériences. Et c'est considérable. Et c'est exactement ce qui était décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que le métaverse, c'est à la fois une rupture, une technologie de rupture, mais c'est aussi incrémental. Il y a aujourd'hui des métaverses en 2D, il y a des îles sur lesquelles, par exemple, Pierre Papron travaille, où les gens sont déjà dans une relation de métaverse. Et puis, il y a cette vision qui va arriver, on va dire, dans les 10 ans qui viennent, où on va pouvoir interagir comme on est aujourd'hui avec des perceptions dans l'espace. Et c'est ça qui fait rêver et qui permet d'imaginer qu'on va avoir ces mondes virtuels. Donc, le KIF travaille à ce développement, en rassemblant des artistes, et on a un projet commun, notamment avec NetInfo en Tunisie, pour créer par exemple un musée, pour qu'on puisse se retrouver dans le métaverse. Et c'est aussi l'idée que les décideurs, publics, mais aussi privés, puissent participer à des projets communs qui vont faire une accélération. Une accélération, mais par la création, parce que c'est ça qui fera la différence. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le KIF France? En fait, c'est une organisation qui essaye de sensibiliser, qui rassemble des compétences différentes, donc encore une fois des artistes ou des institutions culturelles, et puis des décideurs publics et privés, notamment par exemple faire travailler ensemble les gens du jeu vidéo, qui sont les premiers aujourd'hui en première ligne, avec des institutions culturelles, avec des artistes. Évidemment, si au milieu on oublie les musées, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils trouvent leur point commun. Pour vous donner un exemple, par exemple, ce que fait le Grand Palais Immersif à Paris, où ils font des expositions avec la Joconde. Il faut pouvoir travailler avec des conservateurs du Louvre, mais il faut aussi pouvoir faire que toute cette numérisation soit accessible à tous. Et donc c'est la mission du KIF.
Et on veut que ce soit du plaisir, c'est pour ça qu'on a appelé ça de kiff. C'est le Knowledge Immersive Forum. Merci. Alors, Madame Kathleen, comment définit le Canada, comment définit le Canada ce monde de métaverse et surtout à travers Startup X? Bonjour, mon nom c'est Kathleen Jobin, je suis PDG de Startup X. Startup X œuvre dans la formation de blockchain à plusieurs niveaux, au niveau du collège, au niveau des 12 à 18 ans. Startup X a aussi une patte, si on peut dire, dans les blockchain games. Donc, le métavers. Pour moi, le métavers reste à définir. Des journées comme aujourd'hui, c'est important. Parce que, comme on disait, la technologie, c'est une technologie de rupture. C'est une technologie qu'on va voir arriver tout d'un coup. Et il faut être prêt. Il faut être prêt comme la francophonie. Il faut avoir plus de formation, plus de lumière sur la formation, plus d'intégration pour pouvoir parler notre langue. Souvent, au Canada, on voit les Québécois qui apprennent l'anglais plus facilement. Pourquoi? Parce qu'ils jouent dans des games online et des communautés anglophones. Fait que c'est bien de promouvoir la communauté francophone, parler du métaverse et le définir tout au long que la technologie avance. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de technologie, puis on doit être prêt, en fait. Merci. Donc, je passe à monsieur... Pierre Papouron, à travers France Meta, cet écosystème grandiose, pourquoi cet écosystème de France Meta? Est-ce que c'est une conviction de ce monde de métaverse? Est-ce que vous avez défini un monde nouvel pour tout cet écosystème dont vous portez à travers France Meta? À vous la parole. Merci. Donc, mon nom est Pierre Papouron. Donc, on a créé France Meta au début de cette année. Il y a 1300 membres maintenant qui sont des particuliers, des développeurs, des entreprises. Et la finalité initiale, c'était de répondre à Mark Zuckerberg qui était en train de poser une définition très monothéiste en fait, du métaverse, disant ben, le métaverse, c'est de la 3D, c'est un casque, et c'est du virtuel, et c'est du gros débit, en fait, et tout ça. Et on s'est dit, attention, on va tomber encore dans du pré-GAFA 3.0, et il serait bien de réagir et de dire, ben non, il existe plusieurs métaverses en fonction des besoins, des fonctionnalités, et c'est pas un Américain qui va nous dicter, en fait, la manière dont on va penser le monde de demain. Donc moi, je me suis un peu servi de mon expérience, je me suis lancé dans l'Internet en 92-93, pareil pour le cloud, pareil pour le portable, les mobiles, les smartphones, où j'étais chez Apple en 2009-2010. On voit bien qu'il est important, en fait, comme la Tunisie est en train de le faire, de prendre un peu les devants, même si économiquement, ce n'est pas encore totalement là, il y a des cas d'usage qui vont être à trouver, donc on pourra en parler par la suite. Moi, je suis en train de le faire au travers de l'association pour l'agriculture, pour représenter l'invisible du sous-sol, par exemple. Le métaverse, c'est génial. Donc, en soi, le métaverse, c'est une sorte de couteau suisse digital, un peu comme l'Internet au début. Est-ce que c'était eBay, est-ce que c'était Amazon, ou est-ce que c'était AltaVista, que j'avais dirigé à l'époque, qui allait gagner? On ne savait pas. Et ça s'est fait petit à petit. Et maintenant, avec du recul, on est capable de le définir. Donc là, on est un peu dans le noir, en train de tâtonner. La bonne nouvelle, c'est qu'on va à 200 km/h. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est un peu dans le noir, les feux éteints. Mais ce qui est important, c'est d'avancer sur cette route-là. Merci beaucoup. Madame Laila Morche, est-ce que vous... ce métavers, est-ce que c'est l'environnement des avatars? Vous travaillez beaucoup sur les avatars. Est-ce que c'est l'environnement des avatars ou vous voulez dire quelque chose ou passer ce message de métavers à travers les avatars? D'après vous, quelle définition à travers ces avatars vous portez pour le métavers? Alors déjà, merci beaucoup. Je suis absolument ravie d'être là et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque je suis rentrée dans ce village et que j'ai vu la place occupée par les questions de réalité virtuelle, comment est-ce qu'on amène le public dans ces espaces qui parfois peuvent paraître très lointains, il y a eu un effet waouh. Donc déjà, bravo ministère de la Culture pour tout ça. Et merci vraiment, cher Mohamed, pour cette invitation. Donc moi, je m'appelle Leila Merck. J'ai co-créé et lancé la Fédération francophone du futur, qu'on appelle également la F-Cube, et que j'ai le plaisir de diriger.
Je me suis retrouvée beaucoup dans beaucoup de vos discours, notamment Mohamed, quand tu demandais quel narratif nous créions, comment est-ce qu'on faisait en sorte de ne pas avoir ce narratif technologique qui ne soit porté que par des valeurs anglo-saxonnes. C'est exactement de là d'où on vient au sein de la Fédération francophone du futur. Peut-être en quelques secondes pour vous expliquer ce qu'on essaye de créer avant de répondre effectivement à la question de l'avatar, mais c'est intimement lié. Nous, on a créé cette fédération parce que moi, j'ai découvert la francophonie lorsque je suis allée vivre à l'étranger, en fait. J'ai découvert que lorsqu'on franchissait une frontière, finalement, on se parlait beaucoup, beaucoup moins entre individus d'une nationalité, on se parlait entre individus d'une même langue. Et je me suis vraiment rendu compte dans cet espace-là de la puissance d'avoir une langue commune, quel que soit le dialecte, quelle que soit l'intonation. Et ça a été encore plus fort lorsque j'ai franchi une autre frontière, celle de la réalité virtuelle, et que je me suis mis à me promener dans les métaverses qui existent déjà, que je me suis mis à me promener dans VRChat. Je me suis rendu compte que les gens se réunissaient entre francophones, entre anglophones. Et c'est là où je me suis dit que cet espace francophone, qui est un espace, comme je disais, de pays uniquement riche de talents, c'est un truc de dingue. J'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques temps. C'est juste des choses de dingue qui se passent là-bas. C'est juste une jeunesse qui est complètement folle. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour créer vraiment cet écosystème, cette alliance des francophones qui crée le futur? Et c'est vraiment de là que cette fédération part. On veut vraiment adresser les questions de demain en français et proposer une troisième, quatrième, peu importe le nombre de voix, mais proposer une autre voix à celle qui est souvent donnée par l'angle anglo-saxon, les Zuckerberg, les Elon Musk maintenant. Comment faire pour avoir notre propre idéologie du futur, notre propre, et donc nous c'est un futur qu'on souhaite effectivement tech for the common good, c'est un futur qu'on souhaite et qu'on souhaite plus éthique. Donc voilà, c'est vraiment de là que la fédération est née, et donc les sujets de métavers sont pour nous extrêmement importants. Pour revenir sur la question que vous aviez posée sur la place de l'avatar et sur la définition qui peut être la mienne modestement des métavers, je suis d'accord qu'il y en a beaucoup, des définitions des métavers, presque autant qu'il y a de métavers, mais la façon dont je l'entends, c'est avant tout un écosystème numérique qui est synchrone et donc persistant, et je pense que c'est vraiment là la différence avec les jeux vidéo qu'on pouvait connaître ou même la réalité immersive déconnectée, c'est qu'on est dans un univers où le temps passe. Et ce rapport au temps dans les mondes immersifs, je pense, est extrêmement important, a fortiori lorsqu'on a un avatar. Et donc cet élément synchrone, tridimensionnel, à la première personne, souvent ou pas immersif. Et cette notion de première personne et d'avatar est effectivement assez importante, puisque la façon dont on est au monde est la façon dont on l'incarne. Et donc finalement, aujourd'hui, je n'ai pas d'avatar, je suis une jeune femme francophone, voilà, je m'appelle Leïla, vous me voyez. Dans l'espace du métaverse, la façon dont on entre dans cet espace, c'est à travers son avatar. Et c'est là que les gens peuvent retrouver un espace de liberté que peut-être aujourd'hui, dans certains pays, dans certains endroits, ils n'ont pas forcément. Et c'est là où je pense que la notion d'avatar synchrone et donc la façon dont on existe et on vit dans cet avatar-là est absolument essentielle dans ces métaverses. Et ça va aller avec les questions de, est-ce qu'on a un avatar qui doit nous ressembler? Est-ce qu'on va tomber dans des métaverses qui ne seront que des copies du réel? Ou est-ce qu'on va être finalement dans des métaverses comme un moyen d'être, non pas quelqu'un d'autre, mais une autre version de soi, ce qui est encore subtil. Voilà, moi, c'est vraiment ce lien-là entre qui on est, qui on veut être et comment est-ce qu'on se projette, que je trouve extrêmement intéressant dans ces espaces, a fortiori lorsqu'ils sont immersifs. Merci beaucoup. Donc, je passe à M. Ayman Timot. Vous êtes tunisien et vous avez côtoyé tous les pays. Et vous avez une idée, d'après vous, une vision tunisienne et une vision internationale d'après Deloitte, Africa, francophone. Donc, d'après vous, quelle définition peut-on donner à ce monde de métavers? Et est-ce que la Tunisie, si on peut avoir accepté ou on peut avoir cette même définition que vous donnez le secteur privé et l'autre monde à cette question de métavers? Merci beaucoup. Enfin, déjà, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de discuter de ce sujet-là. On l'a vu, hein, il y a énormément de définitions. Je pense que c'est assez compliqué d'en donner une. On regarde vraiment en fait le métaverse comme étant un concept. Enfin, moi, je vais essayer d'aller un peu au-delà en fait des concepts numériques, parce qu'effectivement, enfin, je pense qu'il allie beaucoup de choses. Et j'aime à croire finalement que le métaverse, c'est pas uniquement un monde numérique, c'est finalement en fait une alliance de notre monde réel aujourd'hui, enfin tel qu'on le vit, parce que il s'agit pas de créer un monde totalement déconnecté ou un Second Life où on vit effectivement une vie parallèle, d'un monde qui est un monde virtuel, qui est un peu le miroir
de notre monde réel actuellement et où finalement on va arriver à stimuler la réalité, à faire en sorte de la modifier un tout petit peu, de faire en sorte qu'elle aille un peu plus rapidement, et aussi un monde natif, virtuel, où on fait des choses uniquement dans le monde virtuel. Et je pense que c'est ce triptyque-là finalement en fait qui définit le métavers, c'est qui définit finalement toute la puissance et la complexité du métavers, et qui nous donne d'ailleurs autant de définitions que finalement en fait d'usage qu'on peut avoir dans le métavers. Merci. Donc, chers invités, notre séminaire va débuter donc avec le premier panel. On va poser les questions qui concernent la vision et les perspectives de métavers. Quel rôle pour la francophonie dans le futur? Donc, on va poser les questions qui s'attachent au métavers monde francophone et la question d'un métavers francophone. Pourquoi ce monde-là francophone, est-ce qu'il est nécessaire ou non? On va discuter de cette question avec nos panélistes et on va commencer par Alexandre. Donc, avec cet enjeu du métaverse, il y a encore un enjeu géopolitique à côté de cet enjeu du métaverse. Comment définir et comment identifier ces enjeux, ces défis et ces opportunités que porte peut-être le métaverse selon vous? Je pense que quelque chose dont on a tous parlé, c'est cette notion d'expérience. On a une multiplicité d'expériences. Et c'est vraiment un enjeu très profond aujourd'hui, parce qu'on veut pouvoir projeter, défendre, partager avec les autres un certain nombre d'expériences. Et c'est pour ça que c'est très important dans cette expérience d'affirmer, d'afficher non seulement une langue, mais un certain nombre de valeurs. Et c'est ça que la francophonie peut porter, à mon sens. Parce que il y a une histoire, comme le rappelait le ministre, l'histoire n'est pas monolithique. Il y a des suites d'influences, et chacune de ces influences a fait la Tunisie. Toutes les influences qui ont fait la France s'expriment aussi dans le français. Et c'est ça qui est, je crois, extraordinaire. Quand on dit, comme on l'a entendu, qu'on n'a pas envie de n'avoir finalement qu'un seul avatar qui ressemble à Elon Musk ou à Mark Zuckerberg, c'est précisément parce qu'on sent que toutes nos nuances, elles doivent s'exprimer. Et donc, c'est l'enjeu stratégique, c'est que toutes les nuances du monde puissent s'exprimer. Et ensuite, qu'on puisse être libre, qu'on puisse choisir, qu'on puisse affirmer quelque chose en ayant conscience des valeurs qu'on défend. Et c'est pour ça que c'est très sensible comme question. C'est encore plus sensible parce qu'on veut que ce soit proche d'une expérience réelle. Sinon, c'est carrément de la schizophrénie. Si on imagine qu'on est totalement déconnecté, c'est quelque chose qui peut parfois même être un peu pathologique quand on réfléchit. Donc on veut définir un espace commun, on puisse partager des choses et puis interagir. Et c'est pour ça que le mot partage est très important. Si Mark Zuckerberg s'intéresse tant au métaverse, c'est parce qu'il a compris que c'est fondamentalement social. C'est fondamentalement de la relation, c'est de la communauté, c'est des choses qu'on partage. Et il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que la communauté francophone, la communauté de ceux qui parlent le français, quand on va en Côte d'Ivoire, quand on va au Liban, quand on va dans le monde entier, au Québec, on peut parler directement avec quelqu'un. Et si je faisais même de l'informatique, je dirais qu'on a un code entre nous qui est déjà là. Utilisons-le, c'est une richesse. Voilà, c'est une richesse formidable. Merci beaucoup. Donc, partager, vous avez utilisé le mot partager et vous avez donné l'exemple de Québec. Donc, j'oriente à Kathleen. Je m'oriente à Kathleen. Cette question de partage, ça remonte à l'esprit la question de la décentralisation, qui est très importante et c'est un principe directeur du métavers et un fondamental du monde du métavers. De nombreuses caractéristiques en découlent de cette décentralisation, mais certains États les perçoivent comme une menace. Pouvez-vous expliquer ce principe et les perspectives dans l'espace francophone? Est-ce que c'est vraiment une menace ou un avantage?
Non, c'est une force. La décentralisation, c'est une force. En fait, on a parlé Facebook, Twitter, on a parlé du Web 2. C'est du Web 2 qui a créé des grandes corporations, Amazon, plus anglo-saxon. Ici, on a un désir de changer l'Internet, de changer l'expérience, d'aller dans un monde plus décentralisé, plus ouvert, du open source. C'est important, la collaboration, le partage et l'écosystème. Donc, les métavers décentralisés, d'en avoir plus qu'un, d'avoir de l'interopérabilité, d'avoir l'identité souveraine, d'avoir la propriété de nos data, d'avoir la propriété de toutes nos créations. Donc, le créateur est rémunéré à juste valeur et ne pas enrichir les grandes entreprises. Style du Web 2, c'est une réaction au Web 2. On est en train de révolutionner et avancer l'Internet vers une décentralisation. Puis le métaverse, les expériences, ils sont ça. Et pour la francophonie, c'est hyper important d'être au-devant, encore là, avec la formation, avec l'éducation, à en discuter. Des forums qu'aujourd'hui, c'est très important. Merci beaucoup. Donc, la décentralisation, d'après vous, c'est une force qu'il faut déployer pour ce monde. Une force, c'est-à-dire un rapprochement, c'est-à-dire une cohésion entre les pays, entre tout ce monde. Alors, je m'adresse à M. Pierre. D'après vous, la langue et la culture, cette marque de cohésion et de centralisation, de diversité, mais de cohésion aussi. La langue et la culture sont les clés, peut-être, de rapprochement entre les pays francophones. Alors, pensez-vous qu'un métaverse francophone puisse renforcer cette diversité, le sentiment de solidarité et la cohésion entre les francophones? Je pense que oui, bien sûr, sinon on ne serait peut-être pas là. Mais il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est d'expliquer en quoi la francophonie est structurante. Là, pour revenir sur ce que Alexandre disait, il y a eu des travaux faits par un psychologue russe qui s'appelle Vygotsky en 1922 et qui a montré que en fait, toute la psyché était basée sur les morphèmes, sur des mots que l'on portait comme ça en soi et qui explique un peu cette communion naturelle que l'on a quand on va dans un autre pays entre Français, entre personnes qui vont parler les mêmes langues, enfin, ça dépasse largement la nationalité, comme ça des personnes qui vont se rencontrer. Ça a donné en France Lacan, que vous connaissez bien, et qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est un peu plus hermétique que Vygotsky. Bon, ça, il s'est un peu approprié le bébé comme ça, en étant incompréhensible, et c'est un peu dommage. Mais le fond de la francophonie, en fait, est là. C'est porteur, c'est des symboles, chaque mot est un symbole et possède une histoire qui vient des latins, qui vient des grecs, qui vient, enfin, qui a à chaque fois 1500, 2000 ans d'histoire. Ça, c'est le premier point un peu très micro, je dirais même nano. Il y a un point beaucoup plus macro, c'est de dire à un moment, on va réfléchir, et ça, je ne l'ai pas encore vu, mais vous allez certainement le mettre en œuvre, au travers du métaverse fait par la Tunisie, ça risque d'être probablement un méta-métaverse. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut penser l'architecture globale pour qu'il y ait des unités pertinentes. Et les unités pertinentes, ça va être quoi? C'est peut-être que chaque pays prenne le lead sur un métaverse ou une thématique particulière. Vous souhaitez mettre en avant l'archéologie avec tous les sites qui sont inexploités. Il y a peut-être un métaverse spécifique, thématique, qui va rebondir avec d'autres métaverses, enfin d'autres pays qui ont de l'archéologie à mettre en place. D'autres vont être un peu plus peut-être sur le cinéma, d'autres sur la culture, d'autres, enfin, je laisse le champ ouvert. Pourquoi pas en faire aussi un sur l'écologie? On a vu une très belle présentation hier de toutes les énergies renouvelables qui sont mises en place à Djerba. Vous connaissez la préoccupation de la planète à cet égard-là. Donc là aussi, il y a un leadership à faire. Troisième point, je pense que la manière de contrer, pour parler très géopolitique et de manière un peu guerrière, les avancées américaines, c'est de dire à un moment, il faut concevoir un métaverse as a service. Il faut arrêter des métaverses qui vont prendre un mois ou deux mois, un peu comme WordPress, si vous avez vécu cette révolution-là en 1997. À l'époque, ça coûtait 50 000 euros pour faire un site. Et avec WordPress, c'était 50 euros. Et ça y est, en 24 heures, le truc était fait et c'était lancé. Donc, cette démocratisation et cette manière de répandre le métaverse comme étant un nouvel outil de communication, de génie, de rassemblement de génie, d'intelligence collaborative plus que collective. Là, on parle vraiment de collaboration. Je pense que ça va passer par le métaverse. Et ça aussi, ça peut être une œuvre de la Tunisie. J'ai essayé de le défendre en France. Trop compliqué. On n'a pas l'avantage d'un petit pays, mais vraiment des gros guillemets, que d'avoir cette possibilité de bouger très vite
comme vous êtes en train de le faire avec Universe, Franceverse n'existe pas encore, par exemple. Alors que là, ça y est, vous avez pris l'initiative, alors que ça fait 2 ans qu'on y travaille. Voilà. On est un grand pays quand même dans l'histoire et dans les compétences. Parler d'un métavers, parler de plusieurs métavers, mais on parle d'une identité numérique, une seule identité numérique, plusieurs cultures, plusieurs identités, mais on parle d'identité numérique. Cette question d'identité numérique est un enjeu central pour les métavers. A priori, les utilisateurs de métavers sont présentés dans le numérique à travers des avatars, à travers des pseudonymes. Et quels sont alors les risques de cet anonymat, Madame Laila? Elle a su qu'on va s'orienter vers elle. C'est mon dada. Non, je dirais les risques, mais les opportunités. Également de l'avatar et du pseudonymat. Je pense que, comme on dit souvent, le numérique est un tétrapharmacon, c'est à la fois un poison et un remède. Il ne faut pas oublier que l'anonymat peut être les deux également. C'est à la fois quelque chose d'essentiel et quelque chose qui présente plusieurs risques. D'abord, les risques, évidemment, c'est ce qu'on pense au début, quand il y a de l'anonymat, du pseudonymat, le fait de pouvoir subir des attaques, qu'elles soient donc invectives, comme on peut voir aujourd'hui sur Twitter, ou demain des attaques potentiellement virtuellement physiques, je ne sais pas encore comment les qualifier, puisque ce n'est pas vraiment de la physique, mais il y a quand même un sentiment de rapport au corps. Et donc ces attaques-là qu'on puisse subir dans des mondes virtuels, comment tenir les gens responsables en fait, de leur comportement à partir du moment où ils sont anonymes et pseudonymes? Donc effectivement, il y a des vrais risques et des besoins de régulation et des besoins d'accompagnement à ce niveau-là. Mais c'est également une opportunité, l'anonymat, le pseudonymat, qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans des sociétés qui sont tout le temps sur des points de bascule entre les questions de liberté et les questions de non-liberté. On voit aujourd'hui, au travers des dernières décennies, que dans absolument tout gouvernement, dans tout espace national, il y a des moments où il y a besoin que certaines personnes puissent avoir le rôle de lanceur d'alerte, que certaines personnes puissent prendre la parole sans avoir à craindre un retour sur ou leur propre personne ou sur leur propre famille. Et c'est là où il faut imaginer que si ces métaverses deviennent des espaces d'expression également culturels, des espaces d'expression créatifs, cet anonymat, ce pseudonymat, est nécessaire à la liberté d'expression, qu'elle soit culturelle, artistique, mais également politique, également sociale. Et donc c'est vraiment pour ça que j'essaierai d'avoir une dualité entre cette question donc, de comment ne pas créer un Far West immersif, personne ne souhaite ça, et comment pour autant ne pas créer un espace tellement régulé qu'il ne favorise pas l'innovation ou qu'il ne favorise qu'une innovation qui rentre dans les cadres d'un certain type de comportement. Beaucoup d'artistes, on peut voir à travers l'histoire, ont longtemps été censurés parce qu'ils ne rentraient pas dans les codes que nous avions aujourd'hui, même des artistes qui n'allait à l'encontre de certains avis politiques, de certaines religions, de certaines croyances, se voyaient censurés et sont aujourd'hui reconnus internationalement. Donc il est vraiment important d'avoir cet aspect risque et opportunité. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Kathleen sur les questions de décentralisation et donc d'identité souveraine, puisqu'aujourd'hui, grâce au Web3 et grâce aux technologies blockchain, on peut trouver des sortes d'équilibre de la terreur, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, où finalement, on peut avoir des identités vérifiées, c'est-à-dire des identités où des personnes rentrent dans une forme de contrat contractualisé par la blockchain où ils arrivent sur une plateforme et ils ne sont pas sortis de nulle part, cette identité vérifiée, mais où personne ne peut accéder à qui ils sont vraiment. Et donc il est important de bien savoir qu'il y a une possibilité d'agir en ligne sans donner ses données personnelles, sans exprimer son nom et son prénom, sans pour autant arriver dans un Far West où on peut arriver, repartir, créer un nouveau profil toutes les 5 minutes. Donc voilà, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui permettent ça et il est important de ne pas traiter l'anonymat comme simplement une question de risque. Et je rajouterai un deuxième point, qui est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, la question de la synchronicité de ces endroits. On ne parle pas juste de réalité immersive, on ne parle pas juste d'espace en ligne, on parle de métaverse synchrone. Que deviennent nos avatars une fois qu'on quitte la plateforme, lorsqu'on retire le casque, lorsqu'on retire la tablette? Quelles sont leurs interactions? Est-ce que nous sommes responsables des interactions de nos avatars lorsque nous ne sommes pas là? Il y a beaucoup de champs d'exploration à faire et il est important de se poser ces questions-là sans jamais brider l'innovation. Merci, merci infiniment, c'est pertinent. Donc je m'oriente vers Ayman, vous qui travaillez dans l'espace d'Afrique francophone. Comment voyez-vous l'adoption et l'acceptation de cette question de métaverse au niveau des startups, des entreprises et l'État? D'après vous, y a-t-il une prise de conscience
des gouvernements de la zone. Et quels sont les conseils que vous donnez pour appréhender cette question de métaverse et ce nouvel monde virtuel? Alors, je pense que les conseils, enfin, déjà, il y a des points importants qui ont été dits, on y reviendra sur la régulation et puis l'identité aussi. Mais je pense aujourd'hui, en fait, en Afrique, on est vraiment, à l'image en fait, de notre recherche de définition, on est en phase d'exploration, on est en phase vraiment en fait, d'essayer de regarder, de voir comment ça se passe, comment c'est en train de structurer. Il y a des initiatives qui sont intéressantes, on l'a vu dernièrement, notamment en Afrique du Sud, surtout en fait sur les contenus créatifs, ça tombe bien. C'est la thématique, mais c'est vraiment en fait le premier champ d'application qu'on voit. On a d'autres initiatives sur le paiement, on commence à avoir aujourd'hui des plateformes où on vend des bouts de terrain finalement virtuels sur des espaces de métaverse. Donc il y a des tentatives, on est loin encore je pense en fait d'une totale maîtrise, d'une totale appropriation de tout ce qu'en fait le métaverse finalement peut produire, mais il y a des initiatives qui sont intéressantes et c'est ça je pense qui est important. L'autre bémol ou le point de réserve, c'est que finalement, en fait, c'est vrai que les industries créatives, c'est un élément très important. Cependant, je pense que les besoins ou en tout cas les axes où le métaverse pourrait prendre tout son sens, notamment en fait sur les pays d'Afrique francophone, n'a pas encore été réellement touché du doigt. Je pense à l'éducation, je pense à la santé, où finalement, en fait, aujourd'hui, le métavers apporte réellement des solutions structurantes et peut être vraiment à forte valeur en Afrique francophone. Et aujourd'hui, on n'a pas réellement d'expérimentation forte là-dessus, en tout cas d'adoption forte, et on attend vraiment, en fait, des réalisations là-dessus. Je pense, en fait, il y a un certain nombre de composantes, de traceurs qu'il faudra qu'on retrouve en fait dans le métavers finalement à l'image d'un monde réel. Dans un monde réel, on a un certain nombre d'acteurs, on a une régulation, on a une infrastructure. Je pense que c'est exactement la même chose et c'est aujourd'hui en fait les défis qu'on va avoir pour les différents gouvernements. Je pense que le premier, c'est un défi de régulation, donc toutes les questions que vous évoquiez, les questions de l'identité numérique, les questions de la propriété intellectuelle aussi et toutes les questions autour de la responsabilité qu'il y a derrière effectivement tout ce qui est fait au niveau du métavers, ce sont des points clés qu'il faudra qu'on puisse anticiper. Le deuxième grand défi, je pense, pour les gouvernements, ça va être un sujet d'infrastructure, puisque le métavers, il nécessite effectivement en fait une infrastructure structurante. C'est des investissements assez importants qui se planifient dans le temps. Et donc, c'est vraiment effectivement un défi important à mettre en œuvre. Et puis, le troisième point, et qui n'est pas des moindres, c'est un point culturel. Effectivement, le métavers, il faut qu'on intègre déjà en fait culturellement ces notions de métavers, cette définition, que c'est pas un monde à part, que c'est vraiment effectivement un monde intégré, et que derrière c'est aussi une nouvelle forme d'économie. C'est une économie de création de contenu, c'est une économie de partage de contenu, et c'est un élément fondateur si on veut utiliser le métavers pour pouvoir finalement créer des emplois, pour pouvoir utiliser toute la puissance. Alors les recommandations, enfin, je pense. Pas mal de choses ont déjà été dites, mais premier point pour moi qui est très structurant, le métavers c'est vraiment en fait une technologie, mais surtout un contenu, et un contenu ça répond forcément à un besoin, et les besoins au niveau des pays francophones doivent être réellement très ciblés autour de l'e-tech, du health tech, et c'est des points effectivement sur lesquels je pense on peut gagner beaucoup de choses. Je pense que le besoin il peut être adapté. À mon avis, c'est illusoire aujourd'hui de commencer à parler de vendre des terrains en ligne et sur le métavers alors qu'on a des problèmes réellement beaucoup plus structurants et que des gens n'ont pas réellement en fait de l'argent pour pouvoir survivre dans certains pays africains. Donc je pense adapter finalement la puissance du métavers à ces problématiques là, à mon avis c'est un élément important. Le troisième défi ou en tout cas conseil est autour en fait, enfin je pense ça a été évoqué, autour de l'interopérabilité, il ne faut pas qu'on arrive à créer des systèmes qui soient cloisonnés et chaque système il travaille un peu tout seul, il faut le penser dès le début. Mais le défi encore plus grand, c'est qu'un peu en fait comme la multicanalité, on est allé à un moment donné vers l'omnicanal, là il faut penser en fait l'interopérabilité entre ce monde virtuel et ce monde réel, c'est-à-dire effectivement comme ça a été dit, une fois on sort de métavers, comment on continue cette expérience en fait dans notre monde réel pour aboutir à un échange de biens physiques, pour concrétiser en fait la suite de l'expérience, je pense que c'est un élément important. Et puis enfin,
Il y a tout un volet législatif qu'il faudra pouvoir réellement travailler dessus, l'identité virtuelle, la propriété intellectuelle, tous ces aspects-là. Je sais que je prêche des convaincus, donc c'est vraiment un point important. Et surtout l'adoption par l'État. Je sais que typiquement sur le mobile payment, c'est en Afrique, à partir du moment où l'État a commencé à faire du G2P, donc des paiements du gouvernement vers le particulier, ça a eu un effet d'accélération énorme. Le jour où l'État commencera à utiliser les services du métaverse pour proposer du service aux particuliers, je pense que ça sera un formidable accélérateur pour son développement. Merci, c'est complet. Vous avez répondu à la question suivante. Quelle recommandation? Donc, vous avez bien étalé les recommandations. Mais je reviens à Laila. Donc, quelles recommandations, d'après vous, est-ce que vous confirmez les recommandations qui étaient recommandées par et quelles recommandations vous voyez pour ce monde, pour ce nouveau monde, pour installer, pour penser et pour développer ce nouveau monde virtuel, et sur quel thème devriez-vous insister pour développer ce monde de métavers? Alors déjà oui, effectivement les recommandations de mon collègue sont effectivement complètement pertinentes. Moi j'insisterai presque plus sur la partie vraiment, en tout cas celle que je connais purement francophone, comment est-ce qu'on fait pour, parce que développer les métaverses en fait un peu partout dans le monde, il y a une certaine façon de le faire, donc chacun développera son métaverse ou ses métaverses avec son identité. Je trouve intéressant que la francophonie se pose en amont, ou du moins en faisant, la vraie question de son identité centrale, puisque la francophonie reste un espace extrêmement divers, et donc la question de qu'est-ce qui nous unit, quelle est finalement notre valeur cœur au sein de la francophonie. Et je pense que cette question elle est encore ouverte, et c'est tant mieux, parce qu'il y a beaucoup d'échanges à avoir par rapport à ça. En termes de propositions, du moins de recommandations, pour essayer de rester extrêmement concret, déjà soutenir les initiatives existantes. Il y a beaucoup de choses qui existent dans ces métaverses-là sur des initiatives francophones. Je peux citer par exemple le French Corner sur VRChat, qui est une plateforme, donc un réseau social immersif, qui réunit la communauté francophone déjà. C'est que des jeunes. Ils se sont déjà arrangés pour avoir cette communauté sur un métaverse. Ils ont leur espace, ils ont des différentes rooms, et on peut rejoindre et adhérer à cette communauté où on rencontre des francophones. Et bien, ces jeunes-là, les soutenir, en fait, leur donner de la visibilité, leur donner peut-être potentiellement des financements, les aider sur les enjeux auxquels ils font face, écouter leur retour de terrain, parce que c'est eux qui le construisent, ce métaverse francophone. Là, aujourd'hui, en ce moment même, il y a certainement des dizaines, voire des centaines de personnes connectées sur ce corner francophone, puisqu'effectivement, il y a des personnes de toutes origines. Donc, déjà, soutenir ces initiatives-là qui existent. Je pense, par exemple, une initiative, je crois qu'elle est québécoise, qui s'appelle Lighthouse, qui essaye, en fait, de créer le Google des métaverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas un des métaverses, il y en aura plein. Comment les trouver? Comment, lorsqu'on va rentrer, repartir à la recherche dans les métaverses, ce ne sera pas toujours les mêmes qui sortent. Comment faire émerger des pépites? Comment faire en sorte que les petits métaverses puissent aussi accéder à ces terrains? C'est des enjeux qu'on trouve aujourd'hui dans le référencement sur Google. Et ben aujourd'hui, il y a une start-up québécoise qui s'appelle Lighthouse, qui crée effectivement ce référencement tourné vers des métaverses qui mettent en avant les questions de vie privée, les questions de données. Donc voilà, soutenir ce type d'initiative. Et enfin, réunir, comme vous faites aujourd'hui, les acteurs francophones. Je pense qu'il y a une grande chose que nous, on a à apprendre en tant qu'acteurs francophones, ou en tout cas qu'on doit savoir faire mieux, c'est que les anglo-saxons, ils chassent en meute. Hein. On peut dire ça comme ça. Il y a un moment, ils savent qu'en tant qu'anglo-saxons, ils se serrent les coudes, ils y vont, parce que plus ils feront grandir le gâteau anglophone, plus ils auront chacun une bonne part de celui-ci. Je pense qu'il est important que les acteurs francophones vraiment retrouvent, ou du moins embrassent encore plus, cet esprit de solidarité et vraiment se réunissent, parce qu'on a chacun des talents différents. C'est vraiment toute la pensée de la fédération en francophone du futur, puisqu'on est, uniquement des bénévoles, on est uniquement à titre gratuit, mais vraiment cette notion de dire on a des gens, des talents partout, et on a vraiment littéralement partout sur la planète. C'est un espace francophone, il est hors frontières. On a des francophones en Roumanie, on a des francophones aux États-Unis, et en fait l'identité ne compte plus. Et donc vraiment avoir cette notion de solidarité lorsqu'on construit, c'est exactement ce que fait OAD, c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici, mais le faire à plus grande échelle, de manière régulière, que ce soit pas un rendez-vous une fois, c'est que tout ce qui se passe ici, ça devienne un réseau qui travaille ensemble en français à travers le monde. Et c'est ça qui est très dur, parce que se rencontrer une fois, c'est déjà pas facile, mais se rencontrer plusieurs fois et aboutir à des projets communs, alors là, c'est tout un art. Et je pense que la francophonie pourrait vraiment grandir, parce que le numérique le permet, avec cet esprit presque de corps. Donc voilà, ce serait ça ma recommandation.
Merci beaucoup, Laila. Vous avez parlé de se réunir sur l'espace francophone. Alors, Alexandre, vous avez le micro, vous avez su que je vais m'orienter vers vous. Comment se réunir? Comment faire pour se réunir dans ce monde, dans cet espace? À travers quel projet ou à travers quelle initiative, à travers plusieurs initiatives ou non? Et est-ce que vous partagez les mêmes recommandations d'après votre expérience et d'après vos projets? Moi, je crois qu'il y a un mot-clé qui est éducation, qu'il faut vraiment prendre dans toute son acception, avec le rôle de l'État, mais aussi le rôle des institutions et des entrepreneurs aussi, parce que le monde de l'éducation, c'est aussi un marché. Hein, et c'est comme ça que la langue va continuer à vivre, si elle est apprise et partagée. Sinon, ça va devenir une langue, pas morte, mais de moins en moins vivante, on va dire. Et c'est vrai que là, il faut être très pragmatique. Il faut avoir cette approche d'implémentation, de transformation régulière, incrémentale. Il y a des Français sur VRChat. VRChat est une plateforme américaine qui fonctionne très bien, merci. Il faut travailler avec eux. C'est incrémental et c'est ces jeunes qui portent et qui vont peut-être permettre dans beaucoup de pays de commencer à être sur une expérience. Et puis après, il y a une approche, on va dire, disruptive, de rupture, parce qu'il y a quand même des grands absents, ce sont les industriels, les gens des télécommunications, ceux qui fabriquent, et on en a des très très grands dans tous ces pays, et on voit que quand ces énergies se mettent ensemble, c'est ce que font par exemple les Coréens, hein, c'est pas impossible, c'est pas un pays qui a des milliards d'habitants, hein, mais pourtant les Coréens ont réussi à mettre dans une seule entité, les universités et les fabricants de matériel, ils en ont beaucoup. Et puis ils ont développé à Séoul une offre de service pour que la ville soit dans le métaverse. Et si un pays comme la Corée y arrive, je ne vois pas pourquoi la francophonie ne serait pas capable, avec cette fédération, avec des gens de bonne volonté, des gens aussi qui ont envie de construire des entreprises, hein, et des États qui ont envie qu'on respecte leur souveraineté. Ce serait quand même incroyable que les 300 millions de francophones dans le monde, je parle sous votre contrôle, n'y arrivent pas. Donc c'est vraiment à un moment donné une prise de conscience, celle qu'on a là, et puis de se dire qu'en fait, voilà, les Coréens le font, ils le font très bien, on peut faire comme les Coréens. Et je ne prends pas l'exemple de la Corée au hasard, parce que c'est un pays qui, il y a 20 ans, existait que pour les industries. Hein. Bon, et aujourd'hui, quand vous parlez à des enfants dans le monde entier, ils vous parlent d'une série qu'ils ont vue sur Netflix. Quand vous parlez aux gens du cinéma, ils vous parlent d'un film qui s'appelle Parasite, qui est un film qui a eu un Oscar Hollywood. Et puis quand vous écoutez la musique, moi j'ai vu des 16 000 personnes à Bercy qui allaient voir un groupe de K-pop. C'était absolument inimaginable, il y a même 10 ans. Donc on a cette chance, on peut avoir des modèles, des gens qui ne sont pas nécessairement des superpuissances, mais qui sont très agiles, très rapides, et puis qui arrivent à se coordonner sur notamment les enjeux de rupture. Et je pense que si on réussit à travailler régulièrement, par exemple sur l'éducation, on pourra développer des savoir-faire et on pourra avoir des approches un peu de rupture. On rêve d'un éditeur francophone qui puisse dire, ben voilà, moi j'ai développé des formes d'éducation nouvelles grâce au métaverse, par exemple. Merci. Kathleen, on a présenté quelques approches et quelques pistes pour se réunir, pour ce métavers. Est-ce que vous pensez que ces pistes sont les bonnes ou on doit s'orienter vers les startups, vous qui travaillez principalement avec les startups? Est-ce qu'on doit s'orienter vers les startups pour nous définir des démarches créatives pour s'installer, pour repenser, pour penser ce monde de métavers? Merci. Mais la force d'une start-up, c'est quoi? C'est qu'elle peut innover sans avoir trop d'impact de ses capitaux. Elle est versatile, elle est agile, elle essaie, elle pousse, elle innove. Et donc, au niveau des start-up, c'est sûr que c'est l'expérience. T'sais, si j'aurais une recommandation à faire, c'est essayez-le, le métaverse. Essayez un service, prenez un département, tenter la chose pour aller chercher c'est quoi les bienfaits de le métaverse, qu'est-ce qu'à date avec la technologie on peut faire. Je vais rebondir, moi aussi c'est l'éducation, faut comprendre, c'est un nouvel univers, on peut voir le métaverse comme une nouvelle planète, si on peut dire, et on doit conquérir à quelque part, reprendre sa place
dans cette nouvelle planète-là, comme un nouveau monde. Donc, l'éducation, la compréhension, l'essai, l'expérimentation. Merci. Alors, je m'oriente vers la sagesse. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion sur les recommandations d'après votre écosystème, un large écosystème? Quel type de recommandations, par quoi on peut commencer? Et est-ce qu'il y a vraiment un espace où il y a des espaces? Qu'est-ce qu'on doit faire? J'aurais presque tendance à commencer par une boutade qui est une question ou un quiz. C'est quelle est la place libre dans un sac de billes? Il y a 27% de l'espace qui est libre. Donc il y a des grosses quilles, il y a des grosses billes, enfin tout ça. Elles bougent les unes par rapport aux autres. Mais là, il s'agit d'être ce que disait Bruce Lee, excusez-moi de citer Bruce Lee comme ça par rapport au métaverse, mais c'est « be water, my friend ». Et vous êtes particulièrement équipé à être liquide parce que, justement, vous avez cette agilité, cette petitesse. Je rajouterai aussi, sans aucune notion péjorative, je le répète, et je rajouterai que vous avez plusieurs autres facteurs. C'est quand on pense à la francophonie, il y a du Léopold Senghor, il y a du président Bourguiba, qui sont quand même à l'origine. Vous êtes aussi à l'origine d'un printemps arabe, donc en termes de révolution. Je me dis que bon, ça fait quand même deux choses un tout petit peu massives comme ça qui vous font connaître un peu sur l'ensemble de la planète. Et vous êtes en train de prendre cette initiative sur Metaverse, donc vous avez tout l'équipement qu'il faut pour justement réussir. Moi, j'enverrai juste une recommandation, c'est de garder en tête, si vous voulez, une propagation rapide du fait que de ne pas être limité par l'infrastructure. L'infrastructure va mettre du temps pour être en place, que ce soit la 5G en fait et autres. Moi, je viens avec du 4G, par exemple, je ne peux pas me connecter au Wi-Fi ici. Donc, c'est pour montrer même le décalage qu'il y a comme ça ici. Mais voilà, et si vous voulez jouer un rôle pour toute l'Afrique, il faut penser infrastructure, penser 2G, 3G, et ne pas faire du Mark Zuckerberg en pensant 8G, et après, il revient un an après, il dit, de toute façon, ça ne pourra marcher que dans 2 ans. Voilà, donc à un moment, il faut juste rester humble par rapport à ça, et se dire, il y a des limitations pour la propagation, et on ne peut pas faire un monde rêver tout de suite, il y a de la réalité à laquelle on doit se confronter, ce qui n'empêche pas de rêver, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes et merci, Monsieur le Ministre. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui, le métavers. Monsieur le Ministre. Juste, tu poses une question aux chers panélistes, mais je m'engage à ne pas changer d'avis concernant le métavers parce qu'il est fascinant. Il faut aller jusqu'au bout. Que pensez-vous de Mark Zuckerberg et le Meta, parce qu'il a l'intention de licencier apparemment 13 000 employés? Est-ce que c'est des problèmes intrinsèques à Meta, ou bien est-ce que c'est un doute un peu sur l'avenir de ce qui se présente comme une croissance exponentielle? Mon point de vue, et je veux dire en toute modestie, c'est qu'il était un tout petit peu coincé. À un moment, alors ça c'est ma casquette McKinsey, je dirais, qui revient, mais si on fait une lecture stratégique, il était vraiment coincé par la perte des nouvelles, donc il a 2,4 milliards d'abonnés, il était en train de perdre tous les nouveaux abonnés, en fait, la tranche 15-25 ans, qui était en train de partir sur du Roblox, sur du Fortnite, sur Minecraft, TikTok en fait et autres. Et quand vous regardez tout ce qui est e-gaming ou gaming tout simplement, on est à peu près à 500 millions par mois. Donc il y a toute une tranche comme ça, il n'y a plus qu'un tiers, je crois, des 15-25 qui sont sur Facebook. Donc il était obligé à un moment de tenir un discours et d'y aller. Le seul truc, c'est qu'il est parti sur quelque chose qui demande de l'infrastructure, qui suppose des capacités de développement, qui lui ont coûté, je crois, on est entre 12 et 18 milliards à peu près de dépenses, et que ce n'est pas complètement son métier de base, parce que c'est pas, on parlait, Alexandre parlait tout à l'heure, de c'est en effet un univers social, mais simplement il n'est pas mûr, la peinture n'est pas fraîche, enfin et c'est compliqué à mettre en place. Ils ont ouvert Horizon en France, c'est ouvert depuis à peu près un mois et demi, et ça ne marche pas, ce n'est pas utilisé en interne. Enfin,
enfin, imaginez le nombre de boulettes comme ça, un peu successives. Et ils sont à 200, 300 000 alors qu'ils, utilisateurs, alors qu'ils pensaient être 1 million. Donc c'est pour ça, là, il faut être assez pragmatique dans la manière de construire le métaverse, d'être humble par rapport à ça, et ça ne se décrète pas, ça se teste, et par des cas d'usage. Lui n'est pas rentré par les cas d'usage, il est rentré par la techno et une approche très lourde, très gros boulet, pour finir sur ma question initiale, le gros quillard ou le gros boulet dans le sac de billes, qui se dit « je vais occuper l'espace », mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça, il est en train d'en payer les frais là maintenant. Merci. Merci beaucoup. Juste, nous avons un autre projet en Tunisie qu'on a commencé sur le métavers. Si Mohamed, vous... Je vous en prie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je voulais vous dire que vous avez une vision juste. Il faut y aller. Et ce que je voulais vous dire, c'est que votre écosystème est déjà parti. Entre le TIC DCE, Netinfo, on a lancé un programme depuis le mois de juin qui s'appelle l'African Metaverse Academy. Notre parrain est ici. Nous sommes en train de former plus de 300 jeunes africains de 20 pays différents au métier du métaverse, avec cette ambition de créer un méta-musée africain. Et pour ça, il y a énormément de gens qui nous soutiennent. Nous avons le leader mondial, puisqu'on parlait de Fortnite, il y a Epic Games qui nous soutient dans cette initiative, il y a Nvidia, il y a Binance, il y a Tezos, Autodesk, et de nombreux amis qui sont ici et qui sont à l'étranger et qui nous écoutent. C'est un programme qui est monté de la Tunisie vers l'Afrique. C'est pour vous dire que cet écosystème est brillant, et je voulais dire que vous avez raison. On est là, on vous accompagnera. Oui, on applaudit. Moi, je peux vous assurer de l'engagement total du gouvernement vers l'économie de savoir, vers la technologie, l'innovation. Et ce qu'avait commencé il y a quelques mois avec les jeunes, on avait commencé à moitié plaisanterie, moitié sérieux, c'est en train de se transformer en une dynamique qui est en train de déborder tout le système, et c'est tant mieux. Donc je ne peux que vous encourager, vous aurez tout le soutien qu'il faut de la part du gouvernement. On a une jeunesse talentueuse, incroyablement talentueuse, et moi j'ai l'impression toujours en tant que ministre de l'économie que je ne fais pas assez pour ces jeunes, parce qu'ils méritent une Tunisie meilleure, et ils ont les moyens de la produire, et c'est ce qu'ils sont en train de le faire petit à petit. Je veux également signaler qu'il y a un gisement énorme, malheureusement, de diplômés chômeurs. Et il ne faut pas vraiment négliger ce réservoir, parce que, enfin, pardonnez-moi le terme, ce potentiel. On a commencé une expérience avec le ministère de la Technologie, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi de reconversion vers le métier numérique. On va finir bientôt le pilote, et j'aimerais bien que ce pilote se généralise. Il ne faut pas que ce soit uniquement l'œuvre du gouvernement tunisien, de finances publiques, parce que vous connaissez l'état des finances publiques en ce moment. J'aimerais bien voir le secteur privé également rentrer dans ce secteur et récupérer ce talent latent, malheureusement qu'on n'a pas pu créer un système qui leur permet d'intégrer l'emploi, et pourtant qui sont facilement convertibles vers des métiers pour lesquels il y a une demande forte, pas uniquement en Tunisie, mais à l'échelle internationale. Donc, continuons ce dialogue public-privé ensemble, et continuons cette collaboration, je pense que c'est la voie. Et l'avenir, comme disait Churchill, même s'il n'appartient pas à la francophonie, il disait que l'avenir va être radieux pour moi parce que j'ai l'intention de l'écrire moi-même. Donc écrivons notre avenir au niveau de la francophonie. Merci beaucoup. Et si vous permettez, c'est un petit truc amical. Aujourd'hui, c'est une date spéciale pour une jeune fille. C'est son anniversaire, et cette jeune fille, c'est la Figital Native, celle qui nous a plongé dans cette première conférence dans le monde du métaverse avec son avatar. Je te souhaite un très très bon anniversaire. Et on va passer à la deuxième table ronde. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté l'ouverture de ce panel et de ce séminaire. On vous libère.
L'impact des métavers et de l'intelligence artificielle sur le monde du travail des métavers et de l'intelligence brutal. Dans les 5 à 10 prochaines années, des dizaines de milliers d'entreprises vont faire faillite et des centaines de millions de personnes vont perdre leur emploi. C'est inévitable. Mais il va aussi y avoir d'énormes opportunités d'affaires pour des milliers d'entreprises.